Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rise Son of Rome. Et donc, on va tout de suite continuer là où on était rendu. On s'approche lourdement de la fin. Ça, c'est sûr et certain. Donc, notre chef est mort. C'est la joie. Donc, je crois que c'est nous maintenant le plus haut gradé de l'armée. Si tout va bien. Normalement. Et donc, on va faire la garde de la 14e. Donc, j'imagine qu'on va aller jusqu'au pont qui va jusqu'au... au palais qu'on a vu au tout début du jeu. Et on va voir ce qui se passe normalement après. Enfin, je sais pas si tout ça on va réussir à le faire en un seul coup. Mais bon, on verra bien. On va voir si on empêche la chute de Rome et qu'on réussit à faire notre vengeance. On verra. Ça c'est ce qu'on a vu, ça c'est les parcours qu'on a fait. Ou des images. Ça c'était au tout début. Première défense. Là, c'est là qu'on devrait être. Dirigez-vous vers la berge. Là, c'est totalement l'hôpital de campagne par ici. Ah oui, c'est notre cher, nos chers centurions. Tu veux parler ? Ils paieront, général. Merci. Allez, c'est parti. Je croyais qu'on était chez moi. Par ici, général. Les forces de Boudica ont envahi le forum. Quels sont vos ordres? Il faut éliminer la garde rapprochée de Boudica et la tuer. Tu veux dire quelque chose? Non. On les avait repoussés. Quand est-ce que je pourrais retourner chez moi? Non, je ne t'écoute pas du tout. Moi, je continue mon chemin. Bonjour, messieurs, dames. Hop, petit véhicule, la ligne romaine. Proto, bordel. Oh, du coup, je vais tuer. Tu vas me le payer. Devant moi. Là, je vois que je peux tuer un mec, peut-être. Voilà. Et son logo. Oui, il va bientôt crever. Allez, soldat. Réserve de la 19e, général. Viens avec moi. Suis-moi. Dès qu'il y a une sauvegarde. Là. En bas. En renfort. On a des pilotes juste là, général. Où ça? Où ça? Oui, juste là. Bullet flash. Alors, allez, soldats! Ouais, je préfère les laisser tirer au niveau du pilum. Ça n'allait pas. Hop. Continue le petit chemin. Bonjour. Par là, il faut que j'aille? Je crois que oui. Voilà Boudica, général! Sur l'éléphant! Elle essaie de percer les défenses du palais! De quelle artillerie disposons-nous? Il y a un scorpion sur la corniche, général! Les éléphants de guerre! Attention! Attention!
Allez. Voilà, ça défend. Défoncez la gueule. Ça fait deux fois qu'elle tombe d'un éléphant, elle. Boudica, tu es Boudica. Boudica, viens là. Ah oui, on a vu ça dans le chargement. Et... oh, la petite arène, tranquille. Te revoilà, Romain. Cette fois, tu te rendras ou tu le paieras. Et te laisser détruire Rome? Jamais! Il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Et je ne te laisserai pas me priver de ma victoire. Oh, recule un peu, s'il te plaît. Laisser défoncer comme ça, je pense pas. Voilà. Et un petit missile Sparta, tranquille. Prends-toi! Allez, Boudica! Eh, hey, c'est reparti. Wow, plus de... Je trouve le bon moment. Allez, vas-y, retac. Celui-ci, on connaît pas. Ça fait 3 attaques sur ça. Au moins 3 attaques. Wow, ça fait trop mal ça. Ok, on fait ça, je vous laisse. Ok. Cette attaque là, elle peut plus en faire. Je la défonce à chaque fois. Allez, viens là. Trop tard, putain. Là, voilà. Allez, viens là, Boudica. Allez, comme. Non, pourquoi j'essaye de contrer ça? Je sais très bien qu'elle me défonce avec ça. Trop tard. Ah, ça par une attaque basique. Facile à défense. Je croyais qu'elle allait m'attaquer avec l'autre. Attaque. Petit coup à terre, non? Voilà, ça, c'est bon. Hey! J'ai réussi! Ah ah, ta terre! Marius, fils de Rome. Nous ne sommes pas si différents, toi et moi. Le destin a fait de nous des ennemis. Mais dans une autre vie,
Dans une autre vie, peut-être. Pas dans celle-là. Non. Pas dans celle-là. Vas-y, Romain. Vas-y. Centurion Severus, à moi! Expose ça à l'endroit le plus élevé que tu trouveras. Les barbares sont furants à sa vue. La victoire sera à nous. Puisque tu n'es pas là pour me protéger, que veux-tu? Tu as fait assassiner ma famille. Rome est en ruine par ta faute. Tout ce qui s'est passé, toutes ces morts inutiles, c'est ta jalousie, ton orgueil et ton arrogance qui en sont la cause. Attends, attends, attends! Aurais-tu oublié la prophétie de l'oracle? L'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Je suis le seul à pouvoir me tuer, tu l'as dit toi-même. Les dieux t'en voudraient. Et donne-moi ta dague, général. Que ma mort soit celle d'un empereur. Même si ma vie ne l'a pas été. Tu m'as dit que vous aviez vaincu les barbares. Donc ? Ce ne sont pas eux derrière cette porte. Ce sont mes prétoriens. Garde ! Garde ! Damoclès est ici ! Il veut me tuer ! Protégez-moi ! Marius, cher Marius. As-tu la moindre idée de tous les ennuis que tu m'as causés? Sais-tu tout le mal que je me suis donné pour mettre tout cela en place? Mais il y a des règles. Oh. Hey, il m'a eu en lâche. Plus de vie. Ah putain. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait les... c'était avec ses sorts d'esquive. Je vais mourir. J'ai mal commencé, donc... Ah, je récupère de la vie quand je réussis mes trucs, ok. Non, j'ai raté. Calme-toi, Marius. Non. J'arrête de faire de la merde. Non. C'est un peu mieux. J'ai connu Centurion, mais c'est pas grave.
On est bon. Putain, j'aurais beau le faire pratiquement mieux. C'est même pas ça. Raté. Bon, lui, non, il est pas raté, mais moi, par contre, raté. Ah, ils sont moins cons, ceux-là. Ah, mais je rate plus là. Ouais, je meurs jamais moi. Jamais. Rome finit par panser ses blessures, et sa civilisation fleurit de plus belle. Sauvée par un héros méconnu, la ville devait perdurer des milliers d'années. Et il en serait ainsi jusqu'au dernier jour des hommes. Crédit, c'est la fin. Donc ouais, il est bien mort par ça, son épée, l'épée de Néron. Par contre, le fait que Marius tuera Damoclès, mais Damoclès tuera le général. Je crois que c'était un truc comme ça et le qu'ils avaient dit. En fait, on était totalement des pions dans un jeu des dieux quoi. Chacun avait son côté. Et... T'es soit Rome tombait, soit Rome était sauvé. Bon, on a réussi à sauver Rome. Tout va bien. Ce jeu est beau. Les contrôles sont simples. C'est ce qu'il y a de plus simple, hein, de toute façon. C'est du QTE, tout ça, après, à contrôler tout ça. Mais vraiment, enfin, moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Ça détend, c'est cool. C'est du bon petit jeu. Ah, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui a fait les crédits, donc on va tout de suite les passer. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a travaillé dessus. C'est m'étonnerait que ce soit une petite équipe. Donc voilà, on a totalement fini l'histoire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Bye bye.